Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Kika. Je suis une chanteuse italienne inspirée par la musique afro-américaine depuis que je suis toute petite. Je suis folle de joie parce qu'aujourd'hui je vais vous présenter ma musique et mon nouvel album qui est sorti le 15 février et qui s'appelle I Can Fly. I can find a way just to realize you are one of me. Il faut changer d'air. Souvent, je trouve, c'est une sorte de se remettre au jeu, de renaître. Comme cet album que je viens d'écrire, c'est un nouveau voyage. C'est une nouvelle Kika qui s'est faite porte-parole dans cet album d'histoires, des personnes que j'ai rencontrées qui avaient vraiment envie de changements dans leur vie. Surtout de l'améliorer, changer d'air, ouvrir des fenêtres au monde, avoir différents points de lecture, différents points de vue, pour ne pas s'identifier seulement dans notre histoire, mais s'ouvrir à toutes les histoires du monde pour s'enrichir. Les temps, moi, ma philosophie, c'est qu'il faut profiter à fond du temps et de chaque instant. J'aime aussi prendre du temps, dilater le temps, parce que je trouve qu'aujourd'hui, on court comme des fous. Et beaucoup de fois, ça ne sert à rien, parce qu'on gâche des instants qui sont pleins d'émotions, pleins de nuances qu'on ne voit pas, parce qu'on court trop. Donc, il faut arriver à prendre son temps. Si quelqu'un me demande « qu'est-ce que tu voudrais aujourd'hui ?» Du temps. Je veux du temps. J'aime pas les mensonges dans la vie. J'aime pas les dire, ni les subir. J'aime pas les mensonges dans la musique. J'aime dire tout ce que je ressens. Je pense que c'est une façon d'aller en profondeur, de nous révéler comme on est, avec nos défauts, avec nos qualités, avec nos points de force, avec nos points fragiles. Je pense que nous révéler, c'est jamais cruel. C'est un partage, c'est un échange, c'est grandir aussi, être sincère. Qu'est-ce qu'ils sont beaux, les souvenirs. J'en ai une tonne liée à cet album. J'ai les souvenirs des centaines de nuits passées à écrire. Donc, des souvenirs de mes siernes, des souvenirs de mes balades nocturnes, quand je ne sortais pas d'une phrase, quand je ne repérais pas les bons mots. J'ai les souvenirs dans ma terrasse, à regarder la lune et à enregistrer des phrases, des mélodies. J'ai tout ça, tout bien imprimé. C'est l'histoire, les souvenirs. Il ne faut jamais oublier, il ne faut jamais oublier. Et que ce soit des moments difficiles, durs, ou des moments positifs, errés. C'est notre histoire, c'est nous, c'est notre personnalité. Aujourd'hui, l'album I Can Fly est sorti. Et c'est un album que j'ai écrit avec un magnifique organiste et pianiste qui s'appelle Oscar Marchioni, qui est composé par 12 titres qui ont été chantés en anglais. J'ai été inspirée par la musique afro-américaine. Donc j'ai suivi vraiment tous mes désirs, toutes mes envies dans cet album. On passe du jazz à la soul, au funk, à la dance. Et j'ai été porte-parole
des personnes que j'ai rencontrées dans les dernières années qui n'ont pas eu la chance d'être libres. Tout simplement de s'aimer, de vivre. J'en parle par exemple dans les morceaux Angel, dans les morceaux Sweet Home, Sweet Light, qui parlent d'une femme réfugiée qui veut seulement une chose, qui veut un toit sur la tête, une lumière chaude quand elle rentre chez elle. Dans cet album, je parle de l'amour que j'ai pour cette planète qui nous héberge. Donc, dans le morceau Tribal Song, je suis contre la déforestation. Je parle de mon amour pour les arbres, pour les oiseaux qui nous inspirent. C'est un album qui est chargé en force et j'espère de la partager avec vous bientôt. L'avenir, par exemple, ce sont des clips qui viennent de sortir. Donc les clips du morceau Let Me Walk, que c'est un morceau dance très festif qui invite à avancer malgré tout, à continuer à réaliser nos rêves. Et l'autre, c'est le clip Angel, qui c'est l'histoire d'une maman qui dit à son fils de partir, de quitter les pays dévastés par la guerre et de chercher sa liberté. Donc c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur et malheureusement c'est un sujet qui est sur la chronique de nos jours dans plein de coins de cette terre. L'avenir, c'est aussi partager des bons moments ensemble grâce au concert. Donc j'aurai les concerts présentation de l'album le 14 mars dans un club secret à Paris. Et toutes les infos, vous les trouverez sur mon site kika.fr. Et après, j'ai un concert à Fontenay-sous-Bois le 28 mars au Comptoir. Le 29 mai, on va au Festival Jazz à Münster. Et le 20 juillet, on sera dans le sud de la France au Festival Cook Sound à Forcalquier. Et voilà, moi j'ai hâte de vous retrouver en concert, de vous faire danser, de vous faire chanter, de vous libérer et de partager avec vous des super, super, super moments. Vision des